Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette Ma Monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel de Pâques. Donc j'ai trouvé cette décoration œuf de Pâques chez Action. Je l'ai trouvé bien sympathique. Donc il y a des petits inserts en bois, donc un petit mouton, des œufs de Pâques et d'autres petites décorations. Et j'ai eu l'idée de rajouter juste un petit sujet en crochet pour égayer un petit peu tout ça. Le dôme est en forme d'œuf et il est en plastique. Donc voilà ce que je vous présente. Voilà le rendu final avec le petit lapin ajouté, voilà, donc on est bien dans l'univers de Pâques. Et je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec ce lapin, vous l'avez vu en miniature. J'ai décidé d'en faire aussi un marque-page, donc ce sont des idées, bien entendu, on peut utiliser même pour attacher sur des vêtements pour enfants, voilà. On peut faire beaucoup de choses avec ce petit tutoriel. Pour le matériel, j'ai pris des petites pelotes de coton. Un crochet de 3,5 mm à adapter en fonction de la taille de votre fil. Il me faut également une aiguille pour entrer les fils, une paire de ciseaux pour couper le fil. Nous allons commencer par réaliser un cercle magique avec la couleur du corps du lapin. Nous allons bloquer le cercle avec une maille en l'air. Ensuite, là, on a obtenu notre cercle magique. On va faire deux mailles en l'air. À l'intérieur du cercle, on va venir faire une première bride. Et au total, on va réaliser 12 brides à l'intérieur de ce cercle magique. J'ai fait 12 brides dans mon cercle, je vais tirer sur le petit bout de fil pour refermer le cercle. Je vais faire une maille coulée, ici, dans ma première maille. Donc je réalise une maille coulée. Ensuite, je vais faire une petite chaînette de 6 mailles en l'air. Donc je réalise 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, je vais aller dans la deuxième maille après mon crochet, donc la deuxième ici, et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans chacune des 4 mailles en l'air suivantes. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Et je vais répéter la même opération pour la deuxième oreille, c'est-à-dire 6 mailles en l'air. Et ensuite, 5 mailles serrées à partir de la deuxième maille en l'air. Je termine avec une maille coulée dans la maille suivante. Je vais pouvoir arrêter mon travail puisque j'ai terminé pour le moment avec cette couleur. Je coupe le fil en laissant un petit bout pour le dissimuler dans mon ouvrage. Je fais une maille en l'air et je vais faire passer cette petite longueur à travers la boucle. Voilà. Donc là, je vais avoir mes petits morceaux de fil que je vais pouvoir dissimuler. Avec la couleur du corps, je vais faire un nœud coulant
et je vais venir me raccrocher. Donc là, j'ai déjà arrêté mon fil et je l'ai dissimulé. Donc on s'est arrêté là, je saute une maille et je vais dans la suivante. Ici, je vais faire donc une maille coulée pour joindre. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et dans le même espace, je vais réaliser une première demi-bride. À nouveau, dans le même espace, une deuxième demi-bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une demi-bride, donc une fois. Dans la maille suivante, une deuxième demi-bride. Et dans la maille suivante, ma troisième demi-bride. Voilà ce que j'obtiens. Une maille en l'air et je vais retourner mon travail. Donc, dans la première maille, je vais faire une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la suivante, je fais une augmentation, donc deux demi-brides dans la même maille. Donc une, deux, et ensuite une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la dernière. Et là, je vais pouvoir arrêter mon travail. Donc une maille en l'air, je tire le fil et je vais couper. Je ne vous montre pas en vidéo comment on dissimule les fils, mais les petits morceaux de fil, on les fait passer sous les mailles avant de couper pour dissimuler dans l'ouvrage. Donc voilà ce qu'on obtient ici. On va pouvoir continuer. Donc on dissimule les petits morceaux de fil. On va rejoindre la couleur du corps du lapin. Donc voilà. Je vais m'accrocher là où je m'étais arrêtée. Donc ici, j'ai déjà dissimulé le fil, mais c'était l'endroit où j'avais arrêté mon travail. Je vais pouvoir faire donc une maille en l'air et dans cette première maille, je vais faire une première demi-bride, ensuite une deuxième dans ce même espace. Je vais faire une demi-bride dans les quatre mailles suivantes, donc une, deux, trois, et quatre. Dans la dernière maille, je fais une augmentation, donc deux demi-brides dans la même maille. Voilà, donc je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Donc là, dans la première maille, donc je vais faire une diminution. Donc je ne termine pas la demi-bride, je viens tout de suite dans la deuxième. Et je passe à travers toutes les boucles. Ensuite, je vais faire quatre demi-brides. Donc une dans chacune des quatre mailles suivantes. Une, deux, trois, et 4. Ensuite, je vais diminuer mes deux dernières mailles. Donc, je commence ma demi-bride. Je ne l'arrête pas. Je vais dans la suivante. Et j'arrête toutes mes boucles ensemble. Donc, j'ai terminé. Je vais pouvoir faire une maille en l'air et couper mon fil en gardant une petite longueur que je vais pouvoir dissimuler dans mon ouvrage. Le corps du lapin est entièrement terminé. Il va nous manquer à faire la queue, les bras et les jambes. Pour réaliser la queue, j'ai pris un coton blanc. Donc, je vais venir me raccrocher juste là où on avait le bleu. Mais là, je vais me mettre à l'envers. Là, c'est l'endroit du lapin. Je retourne sur l'envers parce que je vais faire un point popcorn qui va apparaître sur l'endroit ensuite. Donc là, je me mets sur le dernier rang de la couleur bleue. Donc je vais joindre mon fil. Voilà.
je vais faire une maille en l'air pour le bloquer. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je vais faire des brides sans les terminer. Donc là, je fais mon jeté, je pique, je ressors, je place à travers deux boucles. À nouveau, jeté, je pique, je ressors, je passe à travers deux boucles. Je répète la même chose. Je passe à travers deux boucles. Une dernière fois, je passe à travers deux boucles et ensuite je vais rabattre mes cinq boucles ensemble, donc un jeté, et je passe à travers les cinq boucles. Et voilà, donc une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc voilà, donc sur l'endroit, on verra bien, on peut remettre un petit peu en forme pour former un joli pompon. Voilà. Donc les bras et les jambes, ça sera un petit peu différent, mais un peu le même principe. Donc pour les bras, je vais me mettre là, en face, donc là où j'ai la couleur du maillot, encore sur l'envers. Donc je vais me raccrocher ici. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais bloquer avec une maille en l'air. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je fais un jeté. J'insère mon crochet. Je tire une boucle et tout de suite, à nouveau, un jeté. J'insère mon crochet. Je tire une boucle et une troisième fois, la même chose. À la fin, j'ai 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille en l'air et j'arrête mon travail. Par la suite, vous pourrez dissimuler tous vos petits bouts de fil, bien entendu. À nouveau, on va travailler sur l'envers et ça sera le même procédé que pour les bras, sauf qu'on fera un jeté supplémentaire. Donc là, je me raccroche ici à la base. Voilà, je bloque avec une maille en l'air. Ensuite, je fais une maille en l'air, un jeté, je tire une boucle une première fois, un jeté. Je tire une boucle une deuxième fois, un jeté, je tire une boucle une troisième fois, puis la même chose une quatrième fois. Et là, je vais avoir 9 boucles à rabattre ensemble sur mon crochet. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et arrêter mon travail. Je vous laisse dissimuler tous les petits morceaux de fil et on se retrouve ensuite pour le résultat final. Voilà notre petit lapin joliment placé pour agrémenter ce petit décor de Pâques. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait une petite touche bien mignonne et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ce modèle avec vous. Deuxième lapin que j'ai réalisé, donc ils sont tellement rapides à faire, vraiment. Vous allez voir, en un rien de temps, vous pouvez faire toute une petite famille de lapins. Donc le bleu que j'ai gardé en décoration, comme je l'ai dit, et le rose qui va devenir un marque-page. Vous voulez aussi transformer votre lapin en marque-page. Il suffira donc de prendre votre coton de la couleur du corps du lapin. Donc là, je fais un nœud coulant et je vais venir joindre ce nœud coulant juste en dessous là, du lapin. Donc je vais me raccrocher à la troisième maille. Voilà.
Donc, je fais un nœud coulant pour joindre. Et ensuite, je vais faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Bien entendu, on peut faire autant de mailles en l'air qu'on souhaite. Ça dépend de la longueur du marque-page qu'on veut obtenir à la fin. On a fait toutes nos mailles en l'air, on va faire un nœud coulant dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Et ensuite, on va continuer à faire un nœud coulant dans chacune de nos mailles en l'air. Continuez jusqu'au bout. Un nœud coulant dans chaque maille en l'air. Voilà la longueur entièrement réalisée. On va pouvoir maintenant faire un nœud coulant dans la maille suivante et une maille en l'air, couper notre fil et il va nous manquer plus qu'à dissimuler nos petits bouts de fil dans notre ouvrage. Donc dissimuler les petits morceaux de fil et vous aurez entièrement terminé. Voilà le résultat final. Donc j'espère que cette version vous plaît aussi. Je la trouve très chouette. Bien entendu, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et surtout vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me donne de la force et l'encouragement pour continuer. Et je vous dis à très bientôt chez Crochette Moins Monde pour le prochain tutoriel de crochet.